to yemba e lomo na koran, awa toko ya maku se santu e le koyari ki ya kiso.
Liloba ya nzambe lokola likomami okuku ya mituya oyiteni ya zomi na moko molongo mwa mibale na minei kino mwa tuku misato. Bandeko se lokola asalaka kala nzambe akopesa likambo ya ekimusantu na bato ye moko aponi na bokebi bonso tolanda litangi. Mokonzi nzambe akiti okati ya lipata mpo ya kosolola na Moze akamati elimu oyo akiteli Moze mpe akabeli bakolo tuku sambo ndambo ya elimu. Awa elimu akiteli bango babandi kosabola makambo, kasi na nsima basali yango lisusu te. Bato babale batikalaki bunganda kongo ya bango Eldad na Medad bagendeki boyema ya likita te nzoka nde elimo akiteli mpe bango babandi kosabola bunganda. Elenge mobali moko akei koyebisa Moze Eldad na Medad bazali kosabola bunganda. Yozue mwana wa Nuni mosaleli wa Moze kutu omwana alobi: Moze mokonzi wa ngai, pekisa bango. Kasi Moze ayanoli: ozali te na zwa mpo ya ngai. Malamu nzambe akabela bonso elimo wa ye mpe bato bonso ba ekolo ya nzambe basabola. Bandeko liloba ya nzambe wana.
oyeteni ya motoba molongo masambu kino mwe masomi na isatu. Señor,
impose grandement les ordinations presbytérales qu'il accorde à son Église. Notre joie est davantage grande grâce à vous, chers ordonnants, encore diables. C'est à cause de vous que nous sommes là, c'est à cause de vous qu'il y a cette immense joie que vous constatez dans l'Assemblée. Car vous avez voulu répondre positivement à l'appel de Dieu et vous avez tenu bon jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu, mais aussi vous remercier pour votre ténacité. Vous tous, peuple de Dieu, qui êtes venus nombreux pour encourager nos futurs prêtres et rendre grâce à Dieu pour leur ordination, je vous salue très cordialement et vous remercie de tout cœur pour votre présence nombreuse à cet heureux événement effectuable. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'entendre insiste essentiellement sur deux aspects de la vie et du ministère du prêtre. L'évangélisation et la fraternité. Ce sont ces deux exigences que je voudrais recommander à titre particulier pour le ministère de vos prêtres. Elles sont très liées à l'Esprit Saint que les nouveaux prêtres vont bientôt recevoir. Premièrement, par l'Esprit Saint, vous êtes des prêtres, vous êtes des prophètes. C'est l'enseignement que nous tirons de la première lecture, tiré du livre de Nombre. Cette lecture, la première que nous avons entendue, relate le récit des 70 anciens que Moïse, le grand prophète, a réunis au nom de Dieu. Après la prière de Moïse, Dieu prit l'Esprit qui reposait sur Moïse pour le distribuer aux 70 anciens. Et il s'est mis à prophétiser. Dès lors, ils ont reçu l'Esprit de Moïse que Dieu a réparti, répandu sur les 70 anciens. Eux aussi ont commencé à prophétiser. C'est au nom de Dieu. Ils doivent parler de la part du Seigneur et pour le bien suprême du peuple de Dieu lui confié. C'est d'ailleurs ce que le Christ dit de lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles, libérer ceux qui sont écrasés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Luc 4, 18. 19. Mes chers fils,
vous, sur qui reposera bientôt l'Esprit Saint. Sachez le bien que l'esprit que vous allez recevoir est un esprit qui donne la connaissance de la parole en introduisant dans la vérité tout entière. Jean 16, 13. Dans vos prières profondes. Deuxièmement, par l'Esprit Saint que vous allez recevoir, vous devenez frère. Matthieu 23, 8. Et vous le savez bien, par l'ordination, tous les prêtres sont intégrés dans une fraternité sacramentelle. En les envoyant par deux, le Christ indique clairement l'importance de la fraternité et de la collégialité dans l'accomplissement de l'œuvre évangélisatrice. Cela implique deux choses. Premièrement, ce ne sont pas des adversaires que le Christ envoie, mais des frères, pour le bien de l'Évangile et le salut du peuple de Dieu. Préconisez le rapport de convivialité, de collaboration, voire de connexion fraternelle entre eux. Dès lors, l'envoyé de Dieu doit s'appliquer à bannir l'approche de Caïn qui non seulement se dédouane de sa responsabilité fraternelle. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Et tu as la lourde responsabilité de veiller sur ton frère, sur ta soeur. Vous avez à adopter l'approche d'Abraham. Faites régner la paix dans vos communautés parce que vous êtes le frère. Genèse 13, 8. Allez vers le peuple, quelle que soit sa situation sociale, pour l'affermir et l'inviter à la conversion. C'est donc à une fraternité orientée vers l'efficacité pastorale que le Christ vous envoie, que le Christ vous appelle. En contemplant l'œuvre merveilleuse que vous êtes et que vous serez bientôt devenu prêtre, je ne peux m'empêcher de remercier sincèrement tous ceux qui y ont contribué. Les parents qui ont semé, les formateurs qui ont arrosé, et aujourd'hui, l'évêque qui vient moissonner, vient récolter le beau fruit. Bimbo, poya kusebe nisalisa. To sabe la kona bango, kote awa bako koma banana nzambe, bati karana lomboko, te nafsuka. To evite konganga, kozara nana nzambe, ezali kusaba, mwaisengo, y a poco son y vos amas. Vamos a seguir la naviso, vamos a seguir la salice y aviso, toni aviso, o te batica la mano, o te la suca.
bana babiso baeba kukula sikawa sakramento ya konganga. Tuye lelo bomba koti bomba na majimota ya nzambi motali nene ya baba nzambi iswami o archidiocese ya bisu ya kinshasa. Tuye mbongoze na bango boli mbonza ya solo bimbo poya kusekili salisa tosambe la kona bango pote awa bakokoma banana nzambe batikala na lobongo te na suka toyebi te bonganga kozala nana nzambe ezali kosala mwaisengo pe ya pokoso pokoso ekozala bakosengela na biso bakosengela na esalisi ya biso toli ya biso pote batikala na loboko ti na suka mpo na yango na manzambe asengeli azala moto wa mpiki nzambi esika nzambe akoti na ye akokutana na pokoso ndenge na ndenge yesu kristo ayebisi biso lelo o sakredamo oyingeli omboka oyingeli ondako ya bato soko bayambi yo malamu tikala wana sambela mpo na bango pakola bango kasi soko bayambi yo te okosala nini okokola makolo mpe oke kokanga mako panga bakoleka na biloko ya mokili te toyoki na samwela awa yesu kristo atimi yo susi ya yo se moko liloba oyo yesu kristo apesi yo lokoso na biloko na mokili ebebisa mosala mwa yo te sambi ozali motinda mpe esika yesu kristo atimi yo kotala kondisio ya mosala te kondisio ya mosala ezali se nguya oyo ozwi na nzambe kenge mosala mosala tia kongoyo apembwi azali lisusu mosali wa nzambe wa malonga te ye nde akoyokisa nzambe soni boboto osambela mpo na bango profeta awa nzambe ya kotiki azali eboko te akokutana na bandeko baye bazali wana ezala banami nzambe basusu ezala bakristu mpe akosala mansoko te asala mosala elongo na bandeko bazali wana elimo oyo kotangi na diocese ya biso l'esprit de collège ya lio kosala mosala esanga kokono milongi te kosala mosala na bato banso nzambi bato banso nzambe apesi yo bazali bana na ye okoki kokango na bana na nzambe te bongo tosambela ote na grasi ya eukaristia okokozela nzambe lelo bana babiso bayeba ponami bakoma banganga nzambe na lolenge nzambe ye moko alingi lobi basala mosala moti ya biso mpo te nzambe azwa lokumu mpe bato baye basepela Oh, yeah.
Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans les sacrifices eucharistiques et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Bondimi kokoli sabonde mona Christo, mon colonna mon colo. Vieille d'Amanzan de mon aime, ami bonzi na tata boya biso. Bondimi komi bonzabino mon colo nzambe, et l'on mona Christo, boya kodi ki sabato. Anandimi boko. Bande ko. Thank you.
Oya bande ko badiso ba yo koni o pambola mangoro. Oya bande ko badiso ba yo koni o pambola mangoro o santisa mangoro.
Félicitations, monsieur l'abbé a boosté. Hey, man, c'est mon joyeux anniversaire, Pépé. Joyeux anniversaire! Encore à vous, allez là-bas, gâter.
Ça c'est ma mamère. C'est ma mamère encore. Merci beaucoup. Shalom. Bon déco. L'unique chose à vous souhaiter, Zaligaka, merci. Et lorsque vous reprendrez Nzemboya, car ta bonté vaut mieux que la vie, cette chanson est à vous rappeler que vous avez belé. Bon, on va coller par la biseau baébi. Ce qui nous tombe sera à ça qu'on s'est préparé que nous sala et en a qui vous répétez Nzemboya, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nanzembo mususu, peut-être que vous avez un mot de Zala qui Zambenangana pesa yoni. Zambenangana pesa yoni. Zambenangana pesa yoni. Non, ça va. Bon, Nazoyemba. Zambenangana pesa yoni. 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 Bon, vous comprenez mon émotion. Donc, ces deux chansons me rappellent beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Il y a Oyo Azai Kouemba Yango, exécuté ça aujourd'hui. Comme action de grâce, et qu'on répétait Maloubawana na effigie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Nanyoso Bosali, merci pour votre présence et merci pour vos cadeaux, bah sourire na balèvre na bino Nanyoso, merci. Je ne peux que vous dire merci. Vous allez rassurer na ma prière parce que le prêtre n'a rien à donner. Et puisque vous avez ici la biso, tous aura ma prière na bino to la qui s'engo na Nzambe. Donc l'unique travail que je ferai c'est prendre vos prières, prendre vos intentions et présenter ça à Dieu. C'est l'unique chose que je peux vous garantir et transmettre, distribuer comme avait dit notre prédicateur de retraite, distribuer les grâces que nous on a reçues. Ce ne sont pas les grâces que nous devons conserver dans le frigo, mais ce sont des grâces à distribuer, à redistribuer, à multiplier, à additionner, à je ne sais pas quelle opération mathématique de Rogo Salabo, aux grâces soient dans la profusion. Donc merci au nom des familles Bikembo, Gogo, Massi et Awenze. Merci beaucoup. Bonne fête. L'abbé Michel va se tenir une fois de plus debout devant la table d'honneur pour recevoir... Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.